Hey, 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 cucu mes petits culs, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge. Et bon, on change pas une équipe qui gagne, hein. Vous êtes quelques-unes à avoir mis dans les commentaires. Mais c'est quoi ces vacances de merde, on se croirait en Bretagne? Ah bah voilà, ah, et puis l'orage carrément et tout, ça attaque carrément les arbres dans le jardin. Bon après c'est pas notre maison, mais voilà, on va pas regretter de rentrer à la maison aujourd'hui. Parce que là, c'est un temps de merde. Et à Newcrest, il fera nettement meilleur que la Granite Falls. Hé, hey, oh, oh, oh les, tu vas te calmer, là. Là, en fait, il est en train de... Il crame pas, en fait. Vu que c'est pas notre maison, j'ai l'impression que l'orage tombe, mais il ne crame pas les choses. Bon, en tout cas, je vais pas les faire sortir, hein, parce que vu la gueule de... Voilà, je voudrais pas qu'ils soient morts. Et en plus, voilà, il reste que 4 heures. Donc, de toute façon, notre petite famille va est en train de faire dodo. Tranquillement, et puis bah, qu'est-ce qui se passe? Ah, l'orage, mais au moins ils ont fait un bon petit crac-crac, c'était le dernier avant très longtemps. Et puis bah, de toute façon, ils sont tous assez fatigués à cause de la chasse nocturne. Et après, on rentre à la maison. Allez, c'est parti, on va rentrer à la maison. Ouais! On est de retour. Quoi? J'aime bien, c'est qu'il y a encore le bruit de l'orage alors que on est à la maison et là c'est la canicule et il fait beau. Allez, alors on va voir la petite surprise de. Oh regardez, c'est pas Daichi. Ah non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Florent, tu vas me le renvoyer celui-là, c'est normal, hein, on s'en fout, on n'en veut pas, nous on veut Daichi. Gestion, licencié. Voilà, on va faire ça comme ça. Je vous fais faire... faites votre life, hein, Joseph. Tu vas faire quoi? Tu vas faire un câlin avec ta sœur? Non, tu lui montres ses photos, oui. Bon, c'est le... non, normalement, non, mais bon. Bon, bah, Joseph, je sais pas, va manger un truc. Alors, Florent. On sait même pas comment il s'appelle. C'est le même que la dernière fois, je crois. Hein. Et puis, bah, tu vas rappeler tout de suite pour un nouveau majordome. Attendez, c'est où? C'est... là. Et on croise les doigts pour que ce soit Daichi, notre Daichi bah, national majordome. Voilà. Allez, on croise les doigts. Oh oui, regardez qui arrive! T'as la héros! C'est Daichi, super majordome. Il va voir Florent en train de se doucher. D'accord. Donc, Daichi rentre chez nous, il tire la chasse et il se lave les mains. En tout cas, il y a des trucs à réparer déjà, mon petit. Le frigo est cassé, donc franchement, vas-y. Daichi National. Bon, Florent, t'iras vite faire un petit paysage, là. Parce que t'as perdu la dernière fois son niveau de notoriété. Après, c'est pas très très grave. Hein. Mais disons que... Oh là là, il va bientôt devenir vieux. Aïe, 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 dans 8 jours. Ah, le truc, il fait pas plaisir. Mais bon, hein, voilà. Et toi, tiens, tu vas peut-être aller voir tes copines. Tu vas nouer des liens. Il n'y a pas de miel. Tu vas récupérer les seins. Et puis, on ira dire bonjour à notre jardin qui n'a pas de fleurs. Et pourquoi tant de haine? Pendant que Joseph refait un peu de piano pour valider un peu les trucs là. Après, comme c'est un peu la canicule, pour leur faire faire du sport, c'est peut-être pas... J'attends un petit peu quand même qu'il fasse moins chaud. Mais bon. Oh bah tiens, Irène la squatteuse est aussi revenue de vacances. Bon, sinon, vous dites rien, vous m'avez vu avec Gideon, mais surtout le dites pas à mon mari, parce que ça va pas le faire. Tu nous as fait un chef-d'œuvre, c'est cool, allez, 1500 simflouz, quoi. Tu vas nous refaire autre chose, une petite impressionniste moyenne, tiens, voilà, mon beau. Bah, Gigi aussi, elle se met faire... Ah oh, oui, pas mal, bah tu vas te contempler, s'il te plaît. Elle se met à faire des chefs-d'œuvre aussi, bon bah... C'est Florent qui viendra le vendre, hein, parce que lui, il peut avoir plus d'argent là-dessus. Donc, qui c'est quoi? Qui c'est qui vient t'emmerder? Ah, c'est ta sœur. Ouais, il faudra que je la relook, hein, parce que là, ça va pas du tout. Irène, t'es pas du tout à la mode. Hein. Oh, les bichettes! Les bichettes, elles font de la balançoire. Bah, au moins, ça sert un petit peu, parce que bon... Et puis c'est typiquement le jour pour, c'est les vacances... Ah bah non, Chiantal, voilà. Elle porte vraiment bien son surnom, celle-ci. Hein, voilà. Elle a arrêté déjà le bonheur d'affaire de la balançoire. Bon, bah, autant que Nadine s'éclate, hein. C'est mieux.
Bon, il nous fait un chef-d'œuvre et après il nous fait une grosse merde à 200 simflouz, quoi. Vraiment, Florent, ça ne va plus. Bon, il va être l'heure. On va faire le petit gâtal et on va inviter la familia pour l'anniversaire de Joseph. De toute façon, je pense que lui, il doit clignoter quelque part. Pas encore, mais bon, on va y arriver parce que sinon, ça va être en pleine nuit. Gigi, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir cuisiner un beau petit gâtal? Qu'est-ce qu'on va faire comme gâtal? Tu vas faire les confettis bleus. Et tu vas faire un autre au chocolat classique pour qu'on invite tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, tu dois ranger le manger. Très bien, ma belle. Elle porte tellement bien son nom, celle-ci. Tu vas me nettoyer ça. Je peux pas, j'ai les parents qui sont déjà occupés, donc voilà. T'as rien d'autre à faire, Daichi? Attends, qu'est-ce que je peux te faire faire? Gestion. Non. Attribuer une tâche. Va réparer un objet. Apparemment, il y a un truc de cassé. Donc, si tu peux y aller, ça nous ferait plaisir, Daichi. Allez, c'est parti, mon kiki, pour l'anniversaire. Les gâteaux sont prêts. Ça commence déjà à souffler dans les trucs. Vous pouvez tous venir ici. Venez vous asseoir. Voilà. On va commencer à faire la fiesta quand tout le monde sera arrivé. Je pense que lui. Non, tu vas pas être couché, Didi. Oh, alors. Ah non, hein. Plus de choix. Ok, bon, bah, tu vas le vendre juste. Galerie d'art, oui, c'est ça que je cherchais. Voilà. Regardez-moi. Ces jeunes filles qui s'assoient. Bah, tout le monde monte, bien sûr, comme d'habitude. On a l'habitude maintenant. Toi, tu vas aller aux toilettes. Tu vas pas dormir non plus, Gigi. Qu'est-ce que vous faites là? Il est quoi? Il est 21. Ouais, il est quand même 21h30. Regardez-moi ça là. Oh, Lulu. Lulu est vieux. Mais non, c'est la tristesse. Est-ce que tu peux l'appeler, toi? Non, vous pouvez pas les appeler, hein, vous faites chier. Hein. Vous m'énervez avec votre jeu du lama, là. Il est tout le temps là, ce jeu du lama. Faudrait que je le descende, en fait. En plus, j'y ai pensé avant de faire l'épisode, de le mettre dans la salle à manger. Faudrait que je trouve un coin, peut-être là, que je bouge un des trucs pour mettre. Parce que. Voilà, ce jeu du lama, j'en ai ras-le-bol de ce truc. Ah bah, les filles, elles font leur devoir, mais c'est pas obligé, les meufs. Hein. Oh, mais Didi! Alors, qui c'est? Attendez, 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 attendez. C'est Nicole. Nicole, donc là, oui, on l'avait déjà vue, mais là, je sais pas, j'ai dû la relooker entre-temps. La fille de Mireille, donc elle est, ben, elle ressemble toujours à Mireille, qui ressemble à Louise, qui ressemble à Jojo, quoi, à Joséphine. Hein. Voilà, les gènes ne se perdent pas selon la famille. Pourquoi mes anniversaires sont tous des catastrophes ambulantes? La 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 l'air. C'est pas possible, y a personne, il y a que les Sims que je peux contrôler qui sont là. Tous les autres, ils sont n'importe où. Il y en a, ils vont dormir. Enfin voilà, ils sont encore avec le lama, ils sont là-haut. Bah oui, écoutez, hein. Mireille est là. Mireille est encore adulte pour l'instant. Oui, elle n'est pas encore une vieille peau comme son frère. Ouais, ça commence à partir en vrille, tout ça. Ok. J'arrive à avoir du monde dans la salle à manger. Allez, tu vas souffler ces bougies. Mon petit Joseph, il est l'heure. C'est un peu le grand nawak. Hein. Franchement, là, je pense que mon jeu doit bugger aussi. Je sors les règles parce que nous, au passage des années 70, je pense qu'il y a des traits que je dois mettre. Comme ça, au moins, hein, voilà, c'est en direct. Hein. 60, voyons donc, 70. Ok. Alors, ceux qui grandissent pendant cette période. Oui, il faudra que je lance les dés. Donc, ben voilà. Bon, Christophe. Joseph! Qu'est-ce qu'il fout? Remercie. Mais non, mais viens souffler tes bougies plutôt. Ça y est, tout le monde est enfin là. Regardez. Oh là là, mon Dieu. Oh, Joseph, dépêche-toi. Il y a tout le monde qui t'attend. Joseph, dépêche-toi. Tout le monde t'attend pour souffler là. Bon, je crois qu'ils sont buggés. Ouais! Happy birthday, Joseph! Happy birthday, Joseph! T'as vu la tête que tu fais quand tu grandis, Joseph? On le voit bien, là, comme ça, non? Regardez, oh, qu'est-ce qu'il est beau, dis donc! Là, il vient de grandir et j'ai l'impression qu'il est encore plus beau. Il a un espèce de charme particulier. Je suis sous le charme. Alors, nous avons donc les règles. Tous ceux qui grandissent dans cette période des années 70 doivent posséder un de ces traits au lancer de dés. Je lance le dé, je tombe sur 6, il sera végétarien. Bah, c'est pas du tout relou en plus comme truc ça. C'est où végétarien? C'est dans le dernier, bien sûr. Végétarien.
Et voilà, parce que c'est le mouvement environnementaliste des années 70, vu que c'est baba cool. Et là, bah oui, Marcel, oh Albert a envoyé un truc. Mais Marcel et tout, je l'ai invité, personne ne s'est pointé. C'est une grosse. Voilà quoi. Allez, appel à table. Et ben bah, ils sont tous en pause en train de dire bah non, mais oui, alors je sais pas. Allez, à la bouffe, tout le monde là. Viens, Gigi, viens manger un morceau du gâteau que t'as fait quand même. Voilà, tout le monde arrive. Bah, ça en fait du monde. Bon, ça manque de musique. Après, il va falloir aller danser. Hein. Florent. Florent qui est dans un truc, dans un état. Geneviève peut faire une phase. Ah ben ça se voit, oui. C'est l'anniversaire de mon frère. Personne fait attention à moi. Oh, Nunuche. Putain, il n'y a plus. Ah si, j'allais dire, il n'y a plus de gâteau. Il y en a encore un peu ici. Viens manger un bout de gâteau. Bah, c'est déjà ce qu'elle fait. C'est parfait. Hélène, tu nous fais quoi, Hélène? Pourquoi t'es déjà au lit? Ah, mais viens, viens discuter. Je sais pas. Moi, tiens, tu connais même pas. Oh là là, mais viens te présenter un peu à tout le monde, du coup, les cousins, cousines, les amis, les tontons, je sais pas moi. Il faut discuter dans la vie, il faut faire connaissance, voilà. Même Chantal, elle est là, même Chantal, elle est moins relou que toi. Alors, oh là là, il y a Juliette aussi. Alors, il y a Juliette, mais il n'y a pas Marcel. Ah si, Marcel, il est dehors. Oh, il est avec sa sista. Oh Marcel, ça fait plaisir de te voir. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu en plus. Ah, on va faire une blague sur la mode avec Gigi. Bon, il est un peu 2h du matin, c'est la cata. Hein. Oh Gigi, regardez-moi, qu'est-ce qu'elle est jolie cette Gigi. Dag dag. Oh mince, ça commence un peu. Alors, réussite, horrible, terminé, horrible, terminé, réussite. Ok, bon, bah j'ai pas réussi à faire correctement. Encore une fois, les vacances d'été, le programme des vacances d'été pour nous deux Saint-Paul. Donc, bah, écoutez, hein. Ah oh, bah, Chantal, elle fait la vaisselle maintenant. Ah, mais qu'elle est mignonne. Tu peux remercier d'être là. Je sais pas, vous avez discuté un peu avant ou pas, les gens là, parce que bon. Voilà, demandez de pas. Non, tu veux te présenter. Ah oui, du coup, il a gagné des traits. Attendez, Joseph. Il est bien élevé et responsable. Oh, mais quel bon garçon! Quel bon garçon, ce garçon. Regardez. Oh là là, ça, c'est un bon garçon. Je sais, je l'ai déjà dit. Je me répète juste à peine. Bon, bah écoutez, c'est cool. On a le papa Thomas, mais il est encore là, il est encore en vie. Donc c'est quand même positif. Et ça y est, enfin, ça discute là, parce que ça fut compliqué hein, quand même d'arriver... à avoir tout le monde dans la maison, donc c'est bien. Ah mais vas-y, mais discute avec les gens, parce que là c'est à... Alors, Mireille... Ah, il y a quelqu'un qui a grandi. Je ne sais pas. Récompense gagnée. Ah, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y avait la petite musique de quelqu'un qui grandit. D'ailleurs, Denise est jeune adulte aussi, évidemment, hein, parce qu'elle était un peu plus vieille que Jojo. Et lui, est-ce qu'il est jeune adulte? Oui! Eh ben ça y est, je vais pouvoir les marier dans le créer un Sims, du coup. Vous étiez plusieurs à vouloir les caser entre Denise et Jonas. Donc, ce sera le cas, je vais pouvoir les marier. Et c'est bien, tout ça, c'est sympathique. Bon, ça y est. Tout le monde s'en va. L'anniversaire étant terminé. Bon, les petites, elles sont parties se coucher. Bon, en même temps, c'est normal, il commence à se faire à l'heure. Hein, hein ma petite Hélène? Bon, bah, vous profitez un peu des looks de chacun d'entre eux, en tout cas de... Oh, bah, Geneviève elle est déjà partie au lit. Mais non, Geneviève! Ouais, t'as perdu ton lit, Tu sais plus où est ton lit, cocotte? Ah, bah oui, d'accord. Ah, mais non! Mais ils ont tout mélangé, les lits et ces corneaux, là. Alors, toi, c'est ici? Oh là là, ils vont en vacances, ils savent plus dormir correctement quelque part. Qui c'est, là-bas? C'est Gisèle! Mais Gisèle! Mais n'importe quoi! Gigi, ah bah Florent, il a trouvé le lit, lui. Hein. Ah là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Toi et Nadine. Nadine, tu devais dormir là, toi. Hop, tu réclames, tu dors. Chiantal, je sais pas où t'es, mais t'es pas dans le bon lit. On va te mettre là, avec ta petite sœur. Voilà, parce que c'est normalement Geneviève qui est ici. Oh, allez, il faut tout refaire les lits, les gens, et tout. Et toi, tu vas réclamer ton lit ici. Voilà, ça y est, on est tous repartis dans des bonnes conditions. Et Daichi? Où est Daichi, d'ailleurs? Mais Daichi s'est barré!
Ça va pas le faire là, non! Ah! Florent, tu me le vires! Non mais c'est. Il a envie de venir travailler chez nous, celui-là, hein! Mais il est où, Daichi? Bon sang, bonsoir! Mais pourquoi? Il s'est rien passé! Ou alors c'est la dernière fois ça avait changé aussi quand j'avais fait un événement social. Je crois que Daichi, il supporte pas le monde, il est un peu agoraphobe sur les bords, hein. Bon, bah, c'est pas grave, hein, on va le rappeler, on va le rembaucher, hein. Nous on veut Daichi, on veut pas un autre. Hélène, tu peux, bah du coup, tu peux manger ça et après t'iras te coucher parce que bon, voilà, t'as faim. Et puis ben nos derniers invités, ils vont peut-être partir à un moment donné. Ou comment ça se passe? Alors, tu l'as viré, parfait, merci. Et on va recommencer pour la deuxième fois. Je sais jamais où c'est. Acheter un service et on va croiser les doigts que ce soit Daichi qui revienne à la maison. Allez! Oh punaise, mais regardez, en plus il y a du taf, hein! Allez, oh, je sais plus, c'est majordome. Zouf! Ah, le pauvre, m'a vu, t'es fatigué, mon Flo! Attends, tu pourras aller faire un petit pipi. Et après, t'iras au lit. Et puis, si c'est pas Daichi, on croisera les doigts pour que ce soit lui la prochaine fois. L'Académie des majordomes de Wittenberg, vous envoyez quelqu'un. On va aller voir ça tout de suite. Et Lily, où le cucu la tête de la maison? Oh non! Regardez-moi ce vampire qui va venir nous attaquer! Ah ouais, voilà. C'est pour nous. Je ne sais pas qui va se faire manger, mais ça faisait longtemps, hein. C'est pas grave, hein. Ce Sims va mourir d'horribles souffrances. Ah bah non. Ah bah c'était une fausse alerte. D'accord, tout va bien. Adieu, madame. Ah! Il allait en petite culotte et tout! Oh, quand même. Les invités qui se barrent à 5 h du matin de chez soi, c'est normal. Où est Daichi? Au secours. Daichi n'est pas là. J'ai peur. Daichi ne revient plus. Daichi est mort. Ah! Tout le monde est au lit, non? Hélène, vas-y, dors, j'ai dit. Allez, tu vas pas dormir. Ok, bon bah écoutez, moi là-dessus, Daichi ne revient pas pour l'instant. C'est pas grave, ce sera pour le prochain épisode. Cette fois, je vais vous quitter là-dessus. Donc les années 70 ont officiellement commencé. Je vous ferai les récaps des règles eh bien dans l'épisode prochain. Avec déjà des penses, des changements au niveau du look. Ta 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 ta. Et ça, on va bien se marrer. Et je vous annonce que les années 70 risquent d'être longues. Donc, il faudra profiter de chaque instant. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description. À regarder des pubs sur la page YouTube qui est aussi dans la description. Moi, je vous embrasse très très fort, mes petits culs. Et je vous dis à très bientôt pour la suite du Decade Challenge ou d'autres choses. Salut!